Pour ce numéro, je vous propose un numéro spécial. Dernièrement, nous avons célébré la fête de la musique qui a eu lieu le 21 juin 2019 au stade de Bemao avec Alizé TV, un plateau artistique à la hauteur de l'événement. Chaque 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique, des événements sont organisés partout à travers le monde, y compris chez nous. Elle est parfois connue sous le nom de World Music Day, Journée mondiale de la musique. Bien que le nom français soit aussi souvent utilisé dans certains pays anglophones, en même temps que Make Music, traduction littérale de Fête de la musique, JPMC, Guada Dancehall Productions, la ville de Bemao ont présenté le Bima Music Day, édition spéciale, Dancehall Queen avec des artistes tels que Kex Mafia, Kérosène, Nicey, Bilix, CLR, Pandemike, Maglite, Lil Lion, Tyrone, Gucci C, Ticho, Nashweaya, La Rose, et j'en passe. Le Bima Music Day a accueilli de nombreux artistes pour cette édition 2019. Et comme chaque année, Bemao célèbre la musique comme il se doit. Je tiens vraiment à féliciter la ville qui a su mettre la barre encore plus haute cette année. Et tout cela dans une ambiance festive et conviviale. Le concert était gratuit et l'ambiance était au rendez-vous. Allez, sans plus tarder, nous partons à Bemao. Regardez des extraits du show suivis des interviews d'artistes et quelques clips pour notre plus grand plaisir. Au programme, Dancehall Queen, DJ et interview d'artistes, extraits du Bima Music Day et clip vidéo. On vous rappelle que c'est une édition spéciale afin d'honorer la fête de la musique. La musique fait partie de notre quotidien à tous aujourd'hui et nous honorons la musique pour l'occasion. Caribbean Pulse était présent afin de vous montrer des images exclusives. Le Bima Music Day a été présenté par Oliver Stone, animateur, auteur, chanteur et Jessica Sagnier. Allez, c'est parti, nous partons à Bemao pour la fête de la musique Bima Music Day. On regarde. Ladies and gentlemen, Bima Music Day Festival, édition Dancehall Queen 2019. Nous allons faire des soldats. Yes, Guada. Consacrez vos Guada. Nous allons travailler ça, des sacrifices. Donc c'est notre fête à tous hein, aujourd'hui. Alors là, je suis en compagnie du groupe Negro Sur. Ils vous avaient écrasé sur scène. Hein. Moi, je vous connaissais pas. J'ai découvert un groupe ce soir, j'avoue. J'aime bien. Vous êtes de quelle commune? De Bemao. Bemao, Negro Sur. Alors moi, j'ai repéré une petite woman dans le game ce soir. Comment tu t'appelles? Anaël. Tu chantes depuis combien de temps? Depuis 6e quand même. Eh ben c'est la fête de la musique ce soir, c'est l'ambiance et la bonne humeur. Vous allez vous rapprocher, vous allez nous faire un petit freestyle pour Caribbean Pulse. On va commencer avec la petite woman là. Allez, Negro Sur, c'est parti sur Caribbean Pulse. Mais est-ce que savent qu'un Negro Sur, c'est à la qu'il a zombi les ouates. Toujours présent, pas un calagé aux familles en moins, toujours lève moins. Est-ce que savent qu'un Negro Sur, est-ce que savent qu'un Negro Sur, SOV savent qu'un négociant, c'est pour qualité et qui toujours paraît, toujours soudé. Quand si c'est là, on met les innés problèmes, peut-être qu'il était figé. En panisant, mais qui la famille ici, ou mon yon, nous pas qu'à gollerie, nous pas si petit drama, si petit comédie. Bref, nous ça d'être pour la famille, négociant.
Negro Sur était au programme ce soir sur Caribbean Pulse au stade de Bemao. C'est la fête de la musique. Et ben nous, on va continuer à kiffer. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci à vous. Et à bientôt. Merci. Caribbean Pulse, on est toujours au stade de Bemao, c'est la fête de la musique, vous entendez 200% d'ambiance comme d'habitude à Bemao. Là je suis en présence d'une petite sista qui est bien présente dans le game, elle s'appelle Angel. Angel, bonsoir. Bonsoir Christelle. Alors comment ça va Angel? Tu chantes ce soir, tu es sur le plateau artistique? Exactement, ben, ça va, on se sent bien, on est à Bemao, l'ambiance est bonne. Alors Angel, j'ai entendu parler d'une petite préparation avec un artiste. Est-ce que tu peux nous parler de ton futur feat? Alors, le featuring, déjà, on est à 3 sur ce projet. C'est pour l'album Liberta, d'accord, l'album de Walton et Oblique. Donc, je suis en featuring avec Walton et Oblique pour le son SDAM, Sexe, Drogue, Alcool et Money. Donc, c'est un son à écouter absolument dès que l'album sera sorti. Les en paraît, c'est pour Rafa, les gars, y'a qu'à détaler. Combien qui veut parler, y'a ça vient d'y parler. En y combien allié, en man y'a qu'à caler. En cas sauter palier, trop n'y'a c'est l'escalier. Armé qu'on cavalier, mettez qu'à cavaler. Pas pétant, pas tadé, pas tout n'est pas gardé. Pas pétant, pas tadé, pas tout n'est pas gardé. On est ensemble, merci Bemao. Merci. Top Girl, on l'applaudit s'il vous plaît. Toujours à Bemao sur le stade, c'est la fête de la musique, la bonne ambiance est au rendez-vous. Et je suis actuellement en présence de Sina Style. Sina Style, qui genre nous voilà? Eh bien là, tranquille, posé au calme. Hein. Bon, ok, la gang, si freestyle va à Caribbean Pulse. Il n'y a pas de souci. Nous toujours qu'à travailler, après qu'elle fait la saucette, c'est pas fait faire le détail, on est toujours invisible. La 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 la, ça a fait au mal. Caribbean Pulse, aujourd'hui, c'est notre fête, c'est la fête de la musique. Nous sommes actuellement au stade de Bemao. Et je suis en présence d'Hilo. Il y a de nombreux artistes ce soir. Et c'est notre fête à tous. Bonsoir, Hilo. Bonsoir. Alors dis-moi ce soir, au programme, qu'est-ce que tu vas chanter? Moi j'ai entendu parler d'un dernier son là, You Fall. Oui, c'est ça exactement. Donc j'ai prévu You Fall. Ça, le son s'appelle Idol, il est disponible sur YouTube. Et je vais chanter également un feat avec une jeune artiste du moule comme moi-même qui s'appelle Rive. C'est une woman? Oui, oui, exactement. Allez, woman, elle commence à être présente dans le game là. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de ce que tu vas nous faire ce soir? Oui, oui, pourquoi pas. Ethos ni me comme idole, 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 you fall. Bonne ambiance avec Nicey ce soir à Bemao, freestyle pour la fête de la musique. Si planète, ouais. Yes, ça les a connus. Merci beaucoup, à l'aise. On se donne rendez-vous le 12 juillet à l'auditorium. Et voilà, ils ont connus. Merci à tous. À l'aise. Est-ce que nous va continuer? Oh! Girl, you're the hit set! Make it girl, this sugar thick and it's driving wanted. Nobody call me over, in the arms, don't get me planted. She's gonna let me drive by me seeing.
je suis en compagnie de Selecta Taiki et Virgo. Virgo. Alors, comment ça se passe ce soir, la fête de la musique? Bon, mais là, ce soir, sincèrement, ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans une vibes comme ça. Là, on retrouve la Guadeloupe, tout le monde est content, tout le monde s'amuse. Il y a des petits, il y a des adultes, il y a des grands, il y a des roots, il y a des moins roots. Non, c'est la fête, c'est la fête. Alors, est-ce que tu peux nous parler du programme? Mais le programme, en ce qui nous concerne, le programme, nous, on fait partie du Guadeloupe Soul Prod, donc je suis le sélecteur du Guadeloupe Soul Prod. Donc, on organise le Guadeloupe Soul Queen Competition, donc un événement, en fait, que Virgo pourra justement mieux rentrer dans les détails avec les meilleurs Soul Queen de Guadeloupe. Alors, Virgo. Oui, donc là, c'est l'édition 2019. Ça fait maintenant 10 ans que ça existe, un peu plus de 10 ans même. Donc là, c'est l'édition 2019, c'est la continuité, ça se fait pendant la fête de la musique. C'est une grande émulation. Là, on a vu déjà les 10 dancehall, pas Queen encore, mais dancehall Queen. Effectivement, j'ai vu la gagnante de 2011. Je crois Chanel, elle est là. Elle est présente. La gagnante 2011. Il y a les gagnantes, mais il y a plusieurs gagnantes. Il y a le jury formé de gagnantes, mais les gagnantes uniquement internationales et caribéennes. Donc, c'est elles qui sont dans le jury avec deux garçons. Alors, est-ce que tu peux nous citer quelques noms? Ben là, il y a Kimsi, justement. Kimsi, un petit big up pour Kimsi. Il y a Juicy. Un petit big up pour Juicy. Un petit big up pour Juicy. Voilà, la Tisha, un petit big up pour Tisha. Un gros big up. Et il y a Janice, un petit big up pour Janice aussi. Janice, yes, I do. Et il y a les 10 filles qui sont présentes et là, au fur et à mesure, il y aura les éliminations qui vont venir. Alors, l'ambiance, elle est assurée ce soir à Bemaou? L'ambiance est assurée. Là, c'est big respect justement pour Buana parce que là, c'est vraiment une sorte de lionnage qui s'est fait de production pour offrir à Bemaou un réel spectacle. Actuellement, je suis en présence de Buana, c'est la fête de la musique. Alors Buana, comment ça se passe ce soir? Ben, merveilleusement bien, on est super contents. On a commencé en retard malheureusement parce que tu sais, comme je dis à tout le monde, moi je veux pas que les artistes ils chantent et qu'il n'y ait personne devant eux. Donc on a peut-être une heure et demie de retard, mais au moins les premiers qui ont chanté, il y avait du monde devant eux, ils ont été écoutés et t'as vu l'ambiance quand même. Mon Dieu, je vous assure que l'ambiance est au rendez-vous. Alors est-ce que tu peux nous parler du programme? Ah bah oui, donc je disais, Bima Music Day, il y a une édition Dancehall Queen. Là, il y a eu le premier passage de Dancehall Queen. On va avoir le deuxième passage avec les éliminations. Donc le jury en élimine deux, je crois, par passage. Et on a entrecoupé ça par les passages des artistes. Donc je ne dis pas que ça monte crescendo, parce que tu as vu, on les mélange un petit peu. Mais on a du bon monde derrière là. On a Kex Mafia, on a Tiwoni, on a Gucci C, on a Kérosène, on a J Kevlar. Il y a aussi les women qui sont présentes dans le game. Ouais, non, il y a du monde. Et il y a Alizé, ça nous fait super plaisir. Toujours. On ne change pas une équipe qui gagne. En tout cas, merci Buana. Nous, on va aller continuer parce qu'on a des images à prendre. Ah ben, allez-y, bonne route. Ah ben ouais, eh ben, il y a fait noir des maos. Ouais, mais si, mais c'est bon tout ça. L'autre, on a ça pour dire les vins d'eau, c'est comme ça. C'est pour que j'en vois, je m'en prends bien. Bon, qui veut laisser ça, on ne peut pas répondre. Ha ha, la guébaïo. Bonsoir. Merci à la vie pour l'invitation. Buana, maximum de respect. On s'en a tout pour n'a pas t'as déclaré là. Baby, don't
suis en compagnie d'un artiste qu'on ne présente plus, hein, Gucci ici. Chey. Il met l'ambiance comme d'habitude et franchement, Gucci ici. Ou quand il a gardé son moment au jeu de là, anti freestyle, c'est la fête de la musique. Hey. Chérie, même si on est bouga, moi je m'en fous. Qu'on a fait pour vous sentir chou bichou. L'amour. Chérie. On est avec Gucci ici, c'est l'ambiance, je vous assure, pour ceux qui n'étaient pas là. Je vous invite à venir l'année prochaine parce que vraiment, la fête de Bemao, ça se passe toujours bien, la fête de la musique. Merci Gucci. Il n'y a pas de souci. Chérie. Caribbean Pearl, c'est toujours la fête et la bonne ambiance au stade de Bemao. Je ne sais pas si vous entendez le bruit derrière moi. Là, je suis en présence d'SLK, de Bikwazi et de Rama. Alors bonsoir, comment tu vas Bikwazi? Bonsoir. Alors ce soir, tu chantes, t'es au programme? Oui, je chante au programme, oui. Alors regarde ton public et est-ce que tu peux nous lâcher un freestyle pour la fête de la musique? Oui, bien sûr. J'ai toujours travaillé pour nous, mais yo pas maintenant. J'ai toujours fonctionné, yo mais yo pas maintenant. J'ai toujours souri pour nous, mais yo pas maintenant. Non, non, yo pas maintenant. Non, non, yo pas maintenant. Je toujours dis nous bonjour, mais yo pas mais nous. Je toujours vine bon nous force, mais yo pas mais nous. Je toujours souris bon nous, mais yo pas mais nous. Non, non, yo pas mais nous. Yo pas mais nous. Yo pas manipuler nous, yo boucher tout zé en nous. Yo besoin y approprier, yo ta famille en nous. Yo toujours besoin sentir, yo supérieur à nous. Petit à petit, yo cap en contrôle à il en nous. Yo ni tout cafou, yo ni tout poilou que j'en veux pas, yo loup. C'est la bonne ambiance, la bonne humeur. En tout cas, franchement, merci. On reste connecté avec Bikwazi, SLK et Rama. Caribbean Pulse, toujours à Bemao avec une ambiance de folie. C'est la fête de la musique. Vous avez mis l'ambiance, hein, Siyut, ce soir, en self-envie? Tranquille, ça t'est malade. What's up? Ah ouais, le public était au rendez-vous, là. Oui. On voit Yoka Waine. Il y avait du monde, il y avait du monde. Ça t'est malade. Alors, c'est la fête de la musique. Tu nous lâches un petit freestyle pour Caribbean Pulse? Du freestyle? Nous t'as séché la capété, capé c'est un coup là, par contre, c'est top. HNK, c'est bloc. Kamar et Kop, ça pour un coup de bloc. Un seul une toque, ça pas qu'à stop. On reste connecté, merci Tiyut. Alors, toi, ce soir, hein, c'était malade. Show, Chicken Vlog de la Martinique, Battle Rouge, yow. Big up pour Caribbean Purse. Big up pour tout le monde. Chaleureux accueil, la Guadeloupe dure, solide même. Tu reviens pour les vacances? Oui, mais bien sûr, je vais revenir. Et notre découverte de la semaine, l'invité surprise de la soirée était notre président de la région Guadeloupe, Harry Chalus. Il nous a fait l'honneur d'interpréter Bob Marley. Merci au président de la région pour ce partage en musique. On regarde. Nous sommes Maroussiens, mais nous sommes Guadeloupéens avant tout. Alors ce soir, l'édition d'un seul film, je ne l'ai pas fait tout seul. Il y a du monde avec nous. Merci. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Comme c'est fait de la musique, en tout cas, mais avant d'arriver à l'équipe, bon, on chante quand même. Tout le monde sait que M. Chalice a chanté très très bien. Donc avant le discours, on a dit que c'est génial. Les amis, bonsoir quand même. Alors, tout le monde, bonsoir. Et alors, il y a Lionel, j'ai envie aussi. Venez-nous là, Lionel. Venez-nous. Voilà. C'est chaud. Là, vous jouez moi, mais là. Enfin, ni d'autres d'abord, mais j'ai oublié l'animateur là. À cause de franchement, en fier ou l'envoyé. Parce que nous commençons ensemble et ça fait 10 à 11 ans que nous avons travaillé avec lui. Vraiment, il y a un meilleur qui nous est là. Et nous avons une super opportunité pour ce soir là, avec son. Et à l'arrivée de la République aussi, nous le fait. Alors, à cause passons une belle soirée ensemble. Et en fait, il y a un voyage, c'est vraiment un plaisir. Avant, c'est plus fort, mais en fier parce qu'il y a là, il y a qu'à chercher, il y a qu'à faire le travail, il y a qu'à animer, il y a qu'à... Et ni dans le corps, parce qu'il y a un autre corps, on ne peut pas nous dire, mais c'est eux qui l'aiment. Donc, en fait, ça, merci. À quel chantier, à Wana, au violon, tu vas voir. Non, merci Charles, peuple a commandé, qui est au chantier. À Wana, au violon, un tweet au night. I wanna love you.
ever we live and ever we die, we'll be together. With the wolf right over your head, we turn the tables. Artist surprise, artist invité, Richa, allez, tous les baillons de la main, s'il vous plaît. Caribbean Pearl, c'est vraiment l'ambiance du tonnerre, l'ambiance assurée. On est toujours au stade de Bemao. C'est la fête de la musique et je suis en présence d'un duo de choc, Nashu et Aya, que je ne présente plus d'ailleurs, que vous connaissez déjà. Hein. Alors, une petite réaction sur cette soirée ce soir, sur votre prestation qui s'est très bien passée d'ailleurs. Un mot, swoosh, turn up. Alors, shoes, turn up. Non, non, pas qu'un mot. Raconte-moi ton style musical. Ben, tu connais déjà pour nous, c'est reggae, dancehall, hip-hop, R&B, soca. On n'a pas eu le temps de donner ça, mais la prochaine fois, voilà. Puis chaque année, on big up Buana, la ville de Bemao, parce que moi, personnellement, c'est de là que je viens. Alors, Aya, c'est un chanteur, mais c'est aussi un chanteur, mais à multiples casquettes. Est-ce que tu peux nous expliquer toutes tes activités? Tu es aussi du Festival Bloodremer, UCI. Ben, Aya, producteur, événementiel. Manager, bien sûr. Ben, je produis, donc je manage les artistes de mon label. Réalisateur de Caribbean Pearl également. Et audiovisuel, voilà. MAU. Alors, Enachou, ce soir, est-ce que tu peux nous raconter comment le public il t'a accueilli ce soir? Ben, alors, ben, comme d'habitude, quand je suis à Bemao, ben, je suis, on va dire, à l'aise. You know, comme ils disent, swoosh, turn up. Mais on rappelle que Nashu, tu as signé chez Empire. Hein? Alors, un petit freestyle pour la fête de la musique. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, big up Buana, la ville de Bemao, Alizé TV, Caribbean Pulse, yeah. Bien sûr, pour tout le travail qu'ils font. Et you know them island girls when we link up, hey, we light the fire when the beat drops. About we a drink up, cause you know we like the green, huh. Yeah, we blazing it up, you don't know, say we, oh. Oh, elle m'a fait danser ce soir. Aya, on va qu'elle laisser au bas, comme ça, hein. Vous aussi, ou qu'elle a gagné en freestyle back Caribbean Pulse. I like it when you feel yourself, I start bounce and be yourself. I love when you free up yourself, and when you getting out of your shell. Start laughing and enjoy yourself, j'en dis pas plus. On reste connecté avec ce duo de choc. On s'en rappelle, c'est Aya et Nashu. On reste connecté avec Caribbean Pulse. Merci Aya, merci Nashu. Spaceship Music. Hola, Kassoji, mes 67. Pes païen, des soldes, au bas de tête. Pour lui faire petit, yo, son fait son marchio. L'état colonial fait un lourd impression. Caribbean Pulse, on est toujours à Bemao, c'est la fête de la musique. Vous avez pu voir la prestation de Bilix, il a assuré. Alors Bilix, petite réaction sur cette prestation ce soir. Franchement, le public était présent, ils étaient là. Et franchement, bonne fête de la musique. Là, je peux dire que je me suis amusé sur scène, c'était lourd. Un gros big up pour vous, à l'équipe de choc aussi, les danseuses, les danseurs, vous avez assuré. Ah oui, le show des danseurs, vraiment c'était génial. C'était lourd. Et en plus, il y a eu des artistes avant quand même que j'ai pu découvrir. Et voilà, c'était remarquable. Qu'est-ce que tu nous prépares pour les vacances? Comment? Qu'est-ce que tu nous prépares pour les vacances? Alors pour les vacances, il y a un son qui arrive. Il s'appelle Miel Pops. Et c'est un feat avec Triple K. Donc, restez connectés. Venez sur la page Facebook, sur l'Instagram. C'est Bilix au réveil, Bilix officiel sur Instagram. Et sur Snap, c'est Bilix Uno. Vous allez reconnaître. Boum, boum. Mangola, Ami, on ne te laisse pas repartir comme ça, hein, parce que c'est la fête de la musique. Un petit freestyle pour Caribbean Pulse. Oh, un petit freestyle. Joie et peine à nous qu'à partager. Les nous qu'a fait l'amour, tout bite réglé. Yes, I, Caribbean Pearl, vous allez reconnaître. Boum!
toujours à Bemao avec 200% d'ambiance, zéro débordement, c'est la fête de la musique. Actuellement, je suis en présence de Kérosène. Bonsoir. Salut, ça va? Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir? Plein de trucs. Il y a 11 morceaux, donc vraiment plein de trucs. C'est la fête de la musique, hein? Alors, un petit message justement pour la fête de la musique. Toujours le même message déjà. Alors, pour le message d'espoir pour tous les jeunes, sinon c'est la fête de la musique, il faut profiter. On y pense rarement, mais personne ne vit sans musique sauf les sourds. Tout le monde a toujours un peu de son, sauf à la radio, à la télé. Même si c'est 2 minutes par jour, on y pense super rarement, mais la musique c'est notre médicament. Voilà, omniprésent dans la vie. Donc voilà, on est là aujourd'hui, on représente Tidouette. Tidouette. Alors, quels sont tes projets? Un troisième album à venir pour très bientôt et c'est tout, mais c'est déjà assez. Il reste toujours dans les surprises, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, mais faut pas tout livrer comme ça. A Kambo pour la race, oui, un HKM en effet. Ciao. Fais me goûter tous ces allons, encore ou lève, avant que tu vois à fond là, c'est moi qui s'élève, on s'en fait quoi tant il faut, aïe, manier des lèvres, ou si on range, mets-moi ma zèle, encore mets-moi si tôt, en bas. Nous vendons nos bouts qu'on y joue, pas sur nos qu'on s'y roule, qu'on s'y roule, qu'y j'en perdu. Fais qu'à bouger, boy, pour qu'on l'a bien, et on va la voir. Alors, on soit là, c'est la fête. Franchement, ambiance là au rendez-vous. Là, actuellement, je suis en présence de Tex Mafia, Ika il a garanti freestyle pour nous. Yaman, j'ai connu ce Tex Mafia qui là. Ploc, 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 ploc. Si vous parlez de mon TV, I get in tie up and jenny. Femme fois, c'est seulement mon aimé. J'ai connu mon TV, ok. Dis-moi ça, money pour mené. I do have money, but ebe. Moi, je suis là pour l'église. Dis-moi si tu me vini, c'est que. J'ai connu ce Mafia Bibi qui là. Yaman. On reste connecté sur Caribbean Pearl, c'est la fête de la musique et il y a de l'ambiance ce soir. Yes, I Jaconet, fête de la musique, la big up Didier Massif, big up Big Wada Massif, ou Jaconet, yes, I. Et maintenant, place à notre coup de cœur de la semaine lors du Bima Music Day avec Tyrone qui était présent en Guadeloupe. On regarde. Ladies and gentlemen, Bima Music Day Festival, édition Dancehall Queen 2019. Le grand des grands, le King of Kings, quadrupéen. Je vous demande de l'acclamer, s'il vous plaît. De faire du bruit, un stand innovation pour l'homme Tiwomi. Caribbean Pearl, c'est toujours l'ambiance et la bonne humeur. Au stade de Bemao, c'est la fête de la musique et actuellement je suis en présence de notre légendaire Tyrone. Bonsoir Tyrone. Bonsoir, big up Guada, yes I. Alors moi la dernière fois que je t'ai vu, c'était pour Tyrone and Fwen avec Strike et Turbulence. Moi je suis heureuse de te voir, ça fait longtemps. Alors quels sont tes projets musicaux? Ben là je suis actuellement en train de mettre les dernières touches sur le prochain album qui devrait arriver si Dieu veut pour la rentrée. Donc là ça fait quand même 2-3 ans que je bosse d'arrache-pied dessus. Donc voilà quoi, donc Guada, restez connectés, on est en train de bosser là-dessus à fond. Yes, alors justement, t'es en Guadeloupe pour combien de temps? Mais là, je suis là pour malheureusement pas longtemps cette fois-ci. Parce que je dois encore finaliser des trucs sur l'album, j'ai encore quelques dates, j'ai 2-3 festivals au mois d'août, au mois de juillet aussi avec Calipi, donc en Europe, en Suisse, en France, et puis en Guyane aussi. Et puis je pense que je reviendrai un petit peu avant la rentrée.
Et puis, on a tourné un petit clip aussi il n'y a pas longtemps, donc restez connectés. J'ai hâte de vous présenter ça aussi. Yes, Ivy Paul. En tout cas, nous, on a déjà passé tes clips hein, sur Caribbean Pulse. Yes, on reste connectés. Merci pour la force. Big up. Yes, alors, comment le public t'a accueilli ce soir? Ben, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. J'en suis encore tout ému parce que ça faisait pas mal d'années que j'avais pas joué ici. Enfin, j'ai joué pour le concert de midi il y a peut-être 2-3 ans. Et puis des petites interventions ponctuelles, mais c'est vrai que depuis le concert au Stade des Abîmes, j'avais pas vraiment joué officiellement ici. Donc là, disons que c'est un petit hors d'œuvre avant le plat de résidence, c'était super nice, people réceptif. J'ai pu présenter des nouveaux morceaux de l'album aussi, ils ont bien check ça. Donc, big up, Wadan, Packet Love, yes I, merci pour ça. Dernièrement, j'étais à London et j'ai atterri dans une boutique de vinyle. Ça m'avait plaisir, j'ai vu Tyranny et Typical Fefe. Yes I, ça, oui, on a eu le vinyle aussi qui a été développé dans pas mal de pays. Donc, ça fait plaisir de pouvoir représenter un peu notre île, un peu partout où on passe. Donc, yes I, nous balaguer ça. Bon, on te laisse pas repartir comme ça, un petit freestyle, c'est la fête de la musique. Yo! Anti freestyle and live and direct. Big up Alize. Yo. Alright. Nous en live and direct. Abemao. Hey Nuka et le Tréo. Hey yo, big up tous les sisters. Hey Nuka, big up tous les frérots. Dion paquet artistes, soit là, des jambes, quand des kéo. Hey Kika Medji Fela. Hey, quand des bouts compiro man. Hey voyez ça, c'est Tigoni, c'est Will Fireman. Well, Will Guada man. Leve Bima. Well, t'as là, c'est un freestyle pour faire ta musique là. Hey. Nous avons big up to massive geek, Alou et Jaja. Hey, hey, fais yourself, non, nous pas jamais, pète foi. Ouais, yes, I. Yes, I. Merci, Tyranny, pour ce partage. Et nous, on reste connectés, on se dit à bientôt. Yes, I. Yes, I. Please, Diffé. Yes, nous sommes toujours à Bemao, c'est la fête de la musique. L'ambiance est au rendez-vous, assurée, 200% d'ambiance et zéro débordement. Oliver Stone, c'est lui qui a animé ce soir le podium. Alors comment ça s'est passé, le public? Bien, tranquille, hein. Le public était au rendez-vous. Il y avait une bonne ambiance familiale, une bonne ambiance pour la fête de la musique, quoi. Un show de Dancehall Queen. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ce programme qui était intéressant? Je suis là dans le cadre de la fête de la musique pour animer le show des Dancehall Queen 2019. Donc ça s'est bien passé, là on a fini la finale et puis on va passer à la délibération, quoi. Voilà. On a tous envie déjà de savoir qui est-ce qui va gagner. Ben, je pense que la meilleure va gagner, quoi. En tout cas, félicitations à toutes les participantes parce que vraiment, elles ont été toutes super. Alors, Oliver Stone, c'est pas seulement un animateur, c'est aussi un chanteur, hein, je ne vous le présente plus. C'est la fête de la musique, un petit freestyle pour Caribbean Pulse. Bon, c'est Caribbean Pulse, big up all that. Mais dis-moi qu'il y a qui fait jouer la bateau, la paix rentrée. Est-ce mon saut bâtiment ou fruit à pain, y'a qui mange? Moi, dis wow, wow, et j'attends pour nous lever. Isan, Guadeloupe, pas obligé d'oublier ça. Force en nous, c'est patrimoine en nous, qu'il tient en nous. On force, ça peut Guadeloupe, besoin c'est si bon force. On love, ça peut Guadeloupe, besoin c'est si bon love. Yes, I big up Caribbean Pulse et big up à toi parce que t'es une vraie animatrice. Et tout Guadeloupéen qui a vécu ici dans, ou bien qui est à l'étranger, qui est en France, on a un big big up bayo et nous parle à Guéo. Ce soir, ça fait un plaisir en votre Tyranny, les différents autres artistes là. C'est un big show, c'est la fête de la musique. Et on pas oublier les autres. Jah bless. Caribbean Pulse, c'est toujours la bonne humeur, la bonne ambiance. On est à la fête de la musique au stade de Bemao. Je suis en présence de notre grande dancehall queen, Kimsi. Bonsoir. Bonsoir Kimsi. Ça fait longtemps qu'on se connaît quand même, hein? Oui, 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 depuis mes débuts. Alors, pour ceux qui connaissent, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton parcours au niveau de la danse? D'accord. Donc, bon, pour faire court, bon, j'ai commencé à danser très très jeune. Je devais avoir 4-5 ans. Donc, j'ai commencé par la musique africaine. J'ai touché un peu au broca. Après, je suis arrivée au hip-hop. Et après, je suis arrivée, donc j'ai atterri dans le dancehall. Donc, j'ai participé à plusieurs concours et j'ai participé au premier concours officiel de Dance Queen Guadeloupe en 2008. Et après, donc, j'ai fait la Jamaïque à 3 reprises et je me suis déjà classée dans le top 10 parmi. Ouh, il y avait plus d'une 60aine de filles, il y avait une 50aine de nations et dans le top 10, il y avait la Jamaïque, il y avait le Japon, les États-Unis, il y avait d'autres nations, il y avait notre petit papillon qui était parmi eux. Congratulations! Merci. Alors, Kimsi? Ce soir, c'est la fête de la musique, un petit message pour la Guadeloupe, la Caraïbe. Alors un petit mot pour la Caraïbe, ben, en fait voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que ben, toutes les personnes ont joué le jeu. C'est vrai que nous des fois on a certaines appréhensions par rapport au mouvement Dancehall Queen face à un public, on va dire plutôt élargi. Et là franchement ils ont tous super bien réagi, ils ont tous joué le jeu, que ce soit maman, papa, j'ai vu qu'il y avait des mamies, même Madame le maire était bien contente.
Donc voilà, ça fait plaisir. Également le président Harry Chalus, hein, qui nous a chanté une petite chanson qu'on a tous chanté avec lui, c'était formidable. Alors Kimsi, Dancehall Queen, une petite prestation quand même pour Caribbean Pulse. Ah tiens, il y a la musique derrière, je sais pas si vous entendez. Allez, moi je vous laisse la place. Hein. Et ça, Caribbean Pulse, je vous assure que c'est rien parce que Kimsi elle grimpe, elle saute, son corps est élastique. Kimsi, en tout cas, nous on reste connectés. Hein. Ok, y a pas de soucis, big up à Caribbean Pulse, Alizé. Et on se dit rendez-vous l'année prochaine pour le Dancehall Queen Guadeloupe 2020. T'as fait partie du jury aussi ce soir. Oui, j'étais également dans le jury, oui. Ça n'a pas été facile parce que chaque fille avait vraiment son niveau, avait vraiment son attitude. Mais voilà, il a fallu faire un choix. On aurait pu les mettre toutes, hein, mais il faut faire un choix. Mais voilà, donc on aura les résultats dans quelques instants. On reste connectés en attendant les résultats. Alors voici la grande gagnante du concours Dancehall Queen 2019. Alors Félicia, réaction, est-ce que tu t'attendais à remporter ce prix? Franchement, il y avait de bonnes candidates et franchement, je suis contente d'avoir gagné parce que j'ai tout donné. Il y avait ma team avec moi, il y avait le public avec moi et c'était génial. Rappelle-moi ton nom, Félicia. Alors, je m'appelle Gernidi Félicia. Alors, tu as l'habitude de participer à des concours? C'est la première fois que je participe à un concours. Félicitations. Voilà, c'est ma team qui m'a dit, vas-y, vas-y, tu vas tout péter. Je suis allée et comme dit, comme fait, j'ai tout pété. Alors, c'est offert par le Guada Dancehall Prod. Hein. Et vraiment, bah, félicitations, elle a tout écrasé ce soir. Moi, j'ai envie de te dire de poser les fleurs, de nous faire un petit pas là. C'est la Dancehall Queen.